Bonjour tout le monde, bienvenue sur Nyon Zedi. En fait, plusieurs églises catholiques ou protestantes, eh bien, ils mettent ensemble pour y critiquer et décision de s'y prendre pour y attaquer un ensemble de shelters côté que ils demandent pour y fermer. C'est des espaces côté que ils se voient dans bien dit, c'est des timoun. Yo timoun, des timoun qui sont frontière là. Yo décrit Zak ça comme mon Zak et cruel. Et si yon zak de moun ki pa gen kè, c'est pas seulement les églises, mais gen de businessmen, de émigrés cubains américains, yon décrit de senti ki décide fermer ou bien dit en de bien shelter ki abay côté pour abriter et d'autres sources pour sa nouele on accompagne les children. De série de timoun yon di yon just pas ka comprendre ça. Parce que c'est vrai que capable gagner des monde qui pour immigrants mais arriver dans un point pour que on pas attaquer des enfants c'est à ne rien comprendre. En fait, nous voulons rappeler que gouverneur de senti que en pile monde ouais comme un top contender républicain pour un président en 2024. Bon, il me semble que monsieur voulait montrer qu'il est capable de faire plus mal que Trump. En fait, c'est monsieur qui dirigeait le département pour Timoun et famille dans septembre. L'idio camper pas émettre pas renouveler licence provider pour shelter ça yo. Alors il était demandé pour couper toute licence ça d'arriver des églises et des institutions qui ba shelter avec des timoun qui pas gain parents des timoun sans maman sans papa qui yo prend. En fait c'est vraiment et incroyable mais vrai ça que n'attendait là. En fait tout leader religieux ça yo justement yo blast c'était des sentis pour décision ça département et pour tout monde avec famille ça nous le département children and family et justement il commence à passer en exécution et l'autre ça après que des sentis dans une nouvelle conférence que il fait avec des supporters de cubains américains à Miami des sentis qui était un autre monde qui était participé là dans Pedro Pan opération pour te côté qui est obligé reloquer 14 000 cubains en fait nous rappeler ça a été fait il y a des petits monde cubains qui était à un certain moment de la durée qui était obligé de déplacer mais on rappelle que Floride c'est un côté qui gagne plus cubain OK et maintenant l'église catholique chez Bishop Tomawensky mandé gouverneur là et en fait il dit décision ça que gouverneur a prend non événement politique qu'il t'a fait il dit ça c'est son niveau le bout qu'on connaît nous était son dernier niveau il faut ça un dernier niveau que gouverneur la prend et leader religieux a dit tout monde c'est tout monde et tout petit monde c'est tout monde quel que soit qui t'est sorti qui c'est tout monde Guatemala qui c'est tout monde qui c'est Cuba qui c'est tout monde qui c'est Haïti. Quel timoun sous terre pas ta supposé comme un dégoûtant comme un bagage pour rejeter et rejeter spécialement de la part de un monde qui dit qu'il a pour le service public là. C'est incroyable. Illégale migration toujours ça n'tarelé, yo causé politique qui fait un peu de discussion avec ancien président Donald Trump qui était fait de causer ça point clé dans pendant 4 ans que il fait ce pouvoir. Descendi, c'est un jour qui voulait montrer que c'est même gens pour un bail, but gouverneur là, personne ne va comprendre point ça que il veut pour des enfants pour entrer dans quatre batailles politiques. Il était supposé mettre ça de côté. Et maintenant, gagné sur Florida, healthcare exécutif, qui c'est un ancien républicain qui était quitté parti républicain à cause de gens en fait position ça a causé illégale migration. Il parlait tout des actions de Santia qui décide de faire un shelter. Il relait proposer, il les décisions ça, un bagage vraiment cruel. Tout le monde qui a promoté, il t'a supposé justement embarrassé d'après ça que il dit. OK? Et son honte pour gouverneur et pour tout le monde qui est autour de lui. C'est ça que il t'a fait comprendre. Et en pile l'autre leader dénoncer de Santia qui a utilisé des séries de mots inapproprié justement pour différencier timoun cubain comprendre bien oui parce que dans conférence
Des scientifiques, ils disent, oh, ça a été fait en 1960, là, des Cubains, c'est pas même bagage. C'est même bagage, là. Tout le monde, c'est tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde. Donc, voilà. Et donc, ferme Michel, tu sais. C'est moi qui explique, tu sais. Michel, tu sais, c'est un côté pour venir pour un refuge. Il n'est pas supposé arriver dans un pays comme les États-Unis. Il y a une responsabilité morale pour protéger Timoun. Parce qu'il a déjà traversé en pile difficulté sous frontière là, en pile souffrance. Donc il n'est pas supposé après repousser des enfants sans ne rien comprendre. OK? Donc voilà, en pile, Shelter ça qui dit licencié va l'expirer très bientôt si vous pas renouvelé nous. À moins que tu as gagné un vol de face de la part de Santi ou encore autorité fédérale là t'as pesé pied sur bagaille ça parce que c'est impossible pour que moun sa yo pas ka faire mission yo. Plusieurs ti moun sa yo qui ont des moun qui sont dans des zones de violence et de pauvreté tant qu'au Guatemala, Honduras, Salvador. OK. Donc, alors là, et en pile leader religieux pensait que De Santi, dans la dernière décision, ça a vraiment, monsieur perdu tête li, monsieur dépassé les bornes. Toujours parler de Santi, il faut dire que gain suprême côte de Floride, faut préciser, c'est pas fédéral suprême côte, non? Suprême côte de Floride, de Floride, qui bloquait monsieur qui t'a essayé. Je t'avais essayé de faire ça nous relier et gomba yo relier pas bon ici qui gens ou mettez limite en différentes conti. En fait forme de son bagage en pile gouverneur fait yo relier ça district yo ou capable changer limite yo ou redesign yo et c'est ça récentité te fait pour être capable profiter les républicains cause y arriver dans suprême court justement rejeté et justement et ça n'a pas le redistricting côté que ça descend fait li changer border limite yo pour avantager les républicains et bien suprême court Florida dit monsieur pas qu'a fait ça comme nous sont gros causé bah ça en pile mon a BFL au point pouvoir changer ligne yo pour capable affaiblir influence et des groupes de une communauté quelconque changer frontière yo et ben yo bloqué monsieur dans sens ça. En tout cas, maintenant une décision penser que qu'a fait en pile parler en pile puisque nous toujours sous descenti que moi même penser qu'il faut être très prudent avec ça moi même personnellement pas fin compte lui. Et descenti venir avec une décision qui dit don't say gay. Qui ça veut dire? Moi mon yo mal comprendre. Don't say gay là c'est une loi qui pral empêcher professeur discuter sexualité et genre dans l'école. Il faut préciser, et ben dans la vie privée. Donc il dit pour que professeur l'école pas discuter de causer sexualité dans le sens que on parle de et monde qui homosexuel, monde qui transsexuel, monde qui hétérosexuel et autres. Pour yo ta pas discuter de genre. En fait, ces derniers efforts de la part de Républicain Lawmaker et des senti corps et mouvement ça pour retirer enseignement LGBT dans l'école. OK, maintenant, il y a des groupes de monde qui veulent camper qui dit non, c'est discrimination contre eux. Alors là moi je pense que faut nous capable faire un recul et moi je pense mesure ça bay parents yo plus pouvoir. Yeah. Pouvoir pour décider parce que c'est clair que n'a vivre dans société côté que chaque monde gagne des choix différents mais nous vivons dans société de côté que nous respecter la liberté individuelle et nous-mêmes nous penser que enseigner en fait la nous dans l'école. Rivé dans point pour dire et timonio eh bien fille à fille menis voilà c'est un bagay qui normalisé dans société alors là
Moi, je pense que c'est là nous entrer dans valeur. Nous pensons que ça n'a pas supposé rôle l'école pour introduire nos sciences à Timon. Moi, je pense que rôle l'école, c'est peut-être enseigner Timon que Timon est capable différent. Différent dans le sens dans gens sont habillés, mais c'est vrai. Différence dans ça y a manger et qui ça fait partie de liberté yo. Accepter moun yo avec différence yo. C'est bon causer gay là parce que c'est surprenant ça parce que enseigner la tolérance comme valeur c'est l'école qui doit participer là-dedans et c'est ça peut-être nous besoin inculquer mais enseigner la normalité pour youn, parce que et ces mêmes gens, par exemple, je vous dis, manger cheval, manger crapaud, manger couleuvre, pour des communautés, c'est normal pour manger crapaud, c'est normal pour manger couleuvre, et manger cheval. Dans la culture, il n'y a pas rien à croire, il n'y a pas un problème. Mais pour d'autres, il n'y a juste pas concevoir. C'est comme ça, moi, je pensais que sujet à but. Et c'est là, moi, je pense que pour le monde qui a clé, on est que non, non, c'est discrimination, pas comme ça. Je pense que c'est parole l'école, justement, pour essayer de transférer ça dans les LGBT dans l'école. OK? Et cause LGBT, je pense qu'il faut nous ouvrir là-dedans. Parce que quand on a un débat qui a fait là, par exemple, là, on est dans le sport. Sport, là, pour en fait, on a parlé de compétition. Et là, on a causé. Compétition, yon qui te femme, qui te garçon, qui choisit une fille, et qu'on est là, qui entre dans mitan mesdames, li nan courir. Mais est-ce qu'elle pas battre mesdames yo? Li nan nager. Est-ce qu'elle pas battre mesdames yo? C'est là, c'est que, c'est Sam Abdoula là, bon gros, de la fête là, en fait, gen yon nan, yon qui fait natation là, la bat tout moun net, mais son transgenre, il bat tout mesdames yo net, bon comment? Est-ce que ça, c'est équitable vraiment vrai? Donc, parce que vous êtes garçon, ou une fille, ou rentrez dans la compétition, ou champion, ou prend toute coupe. Yo. Attends, vous voulez dire que. Come on, guys. Vous voulez dire que ça est équitable? Vous voulez dire que forme entrer ça dans le cadre normal? It just pas make sense. Parce que, tout simplement, nous connaissons que. Garçon avec femme, vous avez des natures différentes. Vous avez des bagages en plus dans vous-même. C'est vrai que vous décidez pour vous, mais soit dans la compétition, dans le courir, vous avez battu. Dans la nage, vous avez battu. Alors là, vous voulez dire que. Vous voulez dire que faut que nous acceptions que c'est anormal. C'est discrimination, c'est une dit que transsexuel là, qui est garçon, qui vit une fille, et que nous pas vraiment une place li pour la faire compétition, et dans le temps, mesdames, yo. On bon, on a fait discussion sur ça, discrimination. Il pas make sense. Il pas juste. C'est ça. Il just pas juste. On n'a pas besoin de dire qu'il pas juste. Il just pas juste tout simplement. On pense qu'il faut que nous mettez des bails aux gens oui, sans causer de discrimination. En fait, c'est dans ce sens ça que moi-même moi pensais que lui. En fait, d'ailleurs, faut nous bon gouverneur qui pas dans ou bien en fait, ou bien Floride a retiré bail ça. Transgen, ou pas compétit, ou pas calé dans mesdames, ok? Ça a gagné à peu près 2 semaines, sûrement, sauf Dakota, tout. Et Christine Noël, il signe un bill là, qui dit que transgen, ou pas calé dans mesdames, juste pour faire. Ce n'est que justice. Justice, je pense que c'est. Et je pense que ça n'a pas supposé gagner un gros débat là-dedans. Donc, voilà, guys, nous t'ai porté update ça pour vous. C'était un véritable plaisir.